Welcome all of you. Bienvenue à chacun de vous, Om Shanti. Bienvenue à la série des valeurs pour la vie. Avant de commencer, on va passer quelques instants ensemble, en silence, à penser à l'âme suprême. So, welcome all of you to this special episode. Bienvenue à vous tous. C'est la 75e émission sur l'émission de platine, la 75e émission. D'abord, vous parlez un peu de harmonie. Essayez de faire de mal à aucun, à personne. Alors, on a deux Rajyogis seniors. Qu'est-ce que c'est l'harmonie entre eux? Donc, Ken, un moment très spécial d'avoir ces deux seniors en ce moment, aujourd'hui. Et d'abord, Brother Ken, il est avec nous plusieurs fois. Et quand on parle de lui, il est le coordonnateur national pour l'Amérique latine. Il est né en Australie, mais il sert là-bas en Amérique latine depuis 50 ans. Il a été dans 29 pays et il a aussi été le fondateur de Oxford. Il a écrit 19 livres et un des meilleurs conférenciers pour nous parler de l'harmonie. Il a reçu aussi en 2009 de l'Association brésilienne de la meilleure personnalité. Notre deuxième conférencier, c'est Brother Eric. On le connaissait bien. Il a pris sa retraite du travail, mais il était à la CBC, c'était la télévision canadienne. Et il a été au Canada, il est le coordonnateur national du Canada. Il a maintenant pris sa retraite du travail, mais il est au centre de Montréal. Et il a commencé à Edmonton et Calgary. Merci à vous deux. Et un peu avant cela, j'aimerais vous accueillir par un poème. Aujourd'hui, Brother Ken et Brother Eric nous éclairons sur la façon de développer l'harmonie pour que vivre la vie pour nous tous devienne comme une cérémonie où chacun de nous soit au diapason les uns avec les autres dans une symphonie parfaite, sans aucune chance de conflit ressemblant à la cacophonie. C'est parce que nous avons maintenant brisé la monotonie égoïste. On s'est connecté à la compagnie de l'âme suprême. La vie est maintenant passée du ciel nuageux au soleil et je mène maintenant une vie insouciante comme celle d'un million petit lapin. J'ai perdu du temps dans les conflits qui étaient très drôles. Et maintenant, j'ai compris que l'importance du temps vaut de l'argent. Aussi, mon vocabulaire est désormais tout doux, aussi doux que le mien, parce que je fais très attention à mes pensées en pratiquant l'économie. Alors, merci d'être avec nous. Et maintenant, Claudia va vous accueillir comme il se doit. Bonjour de l'ouest du Canada. Bonjour à l'Inde ou à tout autre endroit. C'est toujours un plaisir
d'avoir des frères nous parlant de l'harmonie, parce que sans l'harmonie, on ne peut pas être dans la paix. On a besoin d'avoir l'harmonie à l'intérieur et à l'extérieur. Et quand on a de l'harmonie, quand on a de l'harmonie à l'intérieur, on a aussi l'harmonie à l'extérieur. Et vous avez beaucoup d'expériences comme cela. Vous allez partager avec nous ce que c'est de vivre avec une vie harmonieuse, parce que c'est la seule façon d'avancer. Alors, je vais vous offrir au Brésil. C'est le printemps. Et Borderken, c'est le Brésil. Et c'est l'automne. Alors, j'ai choisi deux couleurs en harmonie, donc les deux couleurs. Le jaune du printemps et le plus foncé de l'automne. Alors, je vous présente ces pour que vous puissiez avoir ça dans votre maison. Vous allez puisser partager avec nous ces fleurs qui sont toujours brillantes et harmonieuses. Merci, sister. Alors, il y a deux. On a sept langues, donc français, l'anglais, allemand. Alors, il nous remercie Alors, c'est à vous maintenant. On est supposé parler comme Dr. Manoj avec de la poésie pendant une heure. On doit devenir comme des fleurs et on doit s'épanouir exactement comme Dr. Manoj le fait quand il nous récite ses poèmes. Je suis très, très heureux d'être avec toi aujourd'hui. Et je te connais depuis très, très longtemps. Et bien sûr, je te voyais quand j'allais au Brahma Kumari il y a 40 ans. Et quand je t'ai connu, je l'ai déjà mentionné plusieurs fois, tu chantais beaucoup quand tu étais plus jeune. Et je me souviens de tes chansons des débuts quand tu chantais avec ta guitare. Et plusieurs de ces chansons faisaient de moi, me faisaient pleurer et me faisaient sentir émotif. Et c'est toi qui m'as fait tomber en amour avec Dieu, vraiment, à travers tes chansons. Une chanson, tu es venu à moi avec le monde dans tes mains, sur la paume de tes mains, voulant vraiment que je comprenne. Et ce que je cherchais, c'est exactement ce que je cherchais quand je cherchais la spiritualité des Brahma Kumari. Baba voulait nous offrir son monde et je voulais tellement comprendre. Mais ce n'était pas facile pour moi de comprendre avec tous les bouleversements. J'avais 21 ans et j'étais très mêlée. Donc, ma première expérience avec toi. Et ensuite, je t'ai vu en Inde après cela. Et pour moi, tu étais déjà mon frère senior. Et on a beaucoup appris avec toi. Mais je ne veux pas vraiment parler beaucoup parce que je veux te poser quelques questions. C'est comme ça que je mets la table, dit Eric. Je veux quand même peut-être proposer un certain nombre d'idées pour que tu puisses me dire de quoi ça retourne et qu'est-ce que tu comprends. On peut dire on veut juste que les choses fonctionnent bien en harmonie. Je ne veux pas de conflit, je veux l'harmonie. Je ne veux pas de problème. Okay? Mais je sais que tu aimes la musique et l'harmonie est très subjective. Et quand quelqu'un présente leur travail, c'était reçu comme c'était, je ne sais pas. And Beethoven's symphonies. Stravinsky, on disait de Stravinsky qu'il était mauvais. On pense à la musique contemporaine.
Les sons sont très distordants. Et pourtant, the world, you know, today I see, yes, it's nice to be good with one another. Pourtant, c'est une certaine harmonie. Mais je vois des lions qui mangent des agneaux et je vois des gens qui tuent un ou l'autre et on parle de l'harmonie. Est-ce que l'harmonie, c'est juste être bon? C'est une drôle de façon d'être en harmonie, mais le bon et le mauvais en même temps. Comment est-ce que ça... Quel écho ça a pour toi, l'harmonie? Bonjour, Ken. Bonjour, Eric. Ouais, j'ai beaucoup d'amour pour toi. Ce qui me vient à l'esprit, toute cette histoire de musique, l'harmonie, c'est seulement possible si on est un musicien, si on joue. Tu dois écouter ce que les autres jouent et on doit voir comment est-ce que ta propre contribution. Jamais c'est de jouer avec certains musiciens et improviser. Alors, du jam. Et c'est comme si ça, c'est comme un courant. On écoute très attentivement chacun qui joue, ce qu'ils sont en train de faire et quelle est leur contribution. Et ensuite, on essaie, bien sûr, dans quelle clé les gens jouent pour savoir comment est-ce que les notes vont s'harmoniser. On peut pas jouer un ré dans le plein milieu d'un la, ou plutôt d'un si. Mais l'harmonie, c'est un mot harmonie, hein, c'est comme ça, c'était une déesse, Harmonia, Aphrodite et Eris, qui était la fille et elle était la déesse d'harmonie, surtout dans les mariages. Donc, elle était au-dessus de tout ça. Et pour les Grecs, c'est pour se mettre ensemble, être dans la... Et c'est là une déesse grecque. Et c'est une façon d'être lié aux autres ou se joindre aux autres. C'est un genre de contribution. Et où nous aussi, ce qu'on a en commun, ensemble, pour être tous, par exemple, si on utilise la métaphore musicale, tout le monde joue, par exemple, en la mineur, et tu connais une note, alors tu peux jouer autour avec les... Tu connais les notes en la mineur et tu joues avec les notes en la mineur selon ce que tu connais. Et d'une certaine manière, tu peux jazzer, juste jouer avec les autres. Donc, c'est être... travailler, jouer avec les autres tout en étant... On accepte les différences et on reconnaît ce qu'on a en commun et on joue. L'harmonie, c'est aussi se joindre. C'est la même chose que yoga, c'est se joindre ensemble avec quelqu'un d'une certaine manière, de manière telle que tout peut être comme un courant pendant un certain temps. Mais c'est vraiment cela. Ce n'est pas uniquement des conflits, mais c'est effectivement éliminer les conflits tout d'abord. Mais les choses qui peuvent venir dans mon esprit quand tu parlais, mais c'est aussi toujours basé sur les valeurs, comment notre état intérieur est. Ça, toutes ces valeurs sont en lien avec notre état intérieur. Je ne peux pas être en harmonie avec les autres. On peut dire harmoniser nos sens-cœurs. Ça veut dire que les gens ont des différences, ont des choses différentes et parfois de grandes différences. Et vraiment, dans la pratique, quelqu'un est dans la rêverie et il a une inspiration. Et c'est très difficile d'harmoniser quelqu'un qui est très dans le monde physique, qui est très pratique et pragmatique. Et l'autre est en l'air, est en train de rêver, perdu dans ses émotions et tout cela.
Alors, on doit harmoniser avec les autres, leurs qualités d'abord. Donc, je dois être attentif. Où est cette personne? Je dois écouter derrière les paroles et anticiper quelle est cette musique ou cette analogie. Parce que si on est vraiment au diapason avec les autres et qu'on joue ensemble d'une façon improvisée, par exemple, c'est une rencontre de jam, on doit aussi anticiper aussi un peu ce qui se passe. Donc, quand on est au diapason, on est un peu en avant, un peu en arrière, et on a une idée d'anticiper parce qu'on sait ce qui va se passer. On ne peut pas faire ce genre d'arrangement en pensant que vous allez leur montrer comment les choses sont à faire. Vous ne pourrez pas jouer avec eux si vous êtes comme cela. Alors, il y a beaucoup d'écoute quand on joue avec les autres. Je pensais, par exemple, d'Eric, est-ce que c'est une vertu comme je dois harmoniser? Moi, dans les relations, c'est une question de s'ajuster ou de coopérer, de faire face. Ce sont déjà trois expressions de ma pratique personnelle. Je suis très spécifique. Mais est-ce que j'ai besoin de faire des efforts pour harmoniser? Ou est-ce que l'harmonisation, ça vient de quelque chose encore plus profondément si je suis centrée vraiment sur quelque chose à l'intérieur de moi? Est-ce que je dois faire des efforts quand j'harmonise? Ou est-ce que quand j'harmonise, j'essaye de m'ajuster ou de coopérer? Est-ce que je dois faire tout ça? Est-ce que s'harmoniser, c'est vraiment ce qu'on essaie de faire? Ou s'harmoniser, c'est la conséquence? Je ne suis pas certain que c'est clair, mais c'est la question que je me posais. Alors, peut-être que tu as la réponse et on va entendre la réponse. Si tu penses, par exemple, que la base d'être harmonisé, c'est d'avoir beaucoup d'amour pour les autres, d'avoir une attitude bienveillante, mais aussi, dans les exemples, on veut que les gens soient d'accord les uns avec les autres. C'est ce qu'on peut comprendre. Les gens n'aiment pas vraiment vivre dans le conflit. Ils sont certainement connectés à cette idée de nos qualités originelles. Alors, quand on est plus proche de nos qualités originelles, naturellement, on s'harmonise, mais avec la nature, mais aussi avec tout. Et tout est un courant. Et ce que j'essaye de faire dans ma propre direction ne le veut pas nécessairement. Mais si on essaie de compenser, mais si on dit que s'harmoniser aux autres, ce n'est pas essayer de compenser. Par exemple, si je suis timide et que tu es quelqu'un d'agressif, ce n'est pas de l'harmonie si j'essaye de faire comme toi. C'est une façon fausse de compenser. Je pense vraiment que l'harmonie, c'est en lien. On n'a pas à s'harmoniser sur nos difficultés. Alors, des vertus, par exemple, sans pouvoir, ça pourrait être nos faiblesses. Comment est-ce qu'on pourrait faire? Comment on pourrait pousser cet exemple? Si tu es timide, je suis arrogant. Qu'est-ce que ce serait l'harmonisation? On a réagi. Yeah, c'est exactement ça. Je vais essayer, certainement. Je vais d'abord arrêter ma timidité parce que je vois que tu es vraiment et j'essaie d'avaler ton arrogance. Donc, j'essaie de jouer sur ma faiblesse, mais pas en lien avec ton... Je ne peux pas appeler ça de l'harmonie. C'est comme un jeu. C'est plutôt un jeu, mais l'harmonisation, ce n'est pas un jeu. C'est pas le jeu de l'ego. Vraiment pas. Si tu es en harmonie avec moi, tu m'aimes, je t'aime,
ce n'est pas une harmonisation. Si je peux te faire des louanges, je connais le problème, oui, je sais quel bouton appuyer, et on finit par réussir. Ce n'est vraiment pas de l'harmonie. C'est être comme s'échanger des morceaux de verre. Alors, est-ce que l'harmonie, c'est comme quelque chose qu'on peut générer par moi-même? Si je génère l'harmonie, est-ce que c'est juste moi qui vais le sentir en harmonie et que l'autre est complètement déconnecté? Pour moi, par exemple, faire face, ajuster et tolérer, je peux le faire par moi-même. Je tolère, je fais face et je suis correct. Que les autres font, mais ça ne me dérange pas ou je ne sais pas. Est-ce que je peux dire que je suis même harmonisé ou est-ce seulement je sens que je suis en harmonie, mais l'autre ne le sent pas? Moi, je pense que c'est une façon de balance, d'équilibre. Tu as assez d'harmonie, mais tu n'as pas suffisamment pour aider les autres ou impacter les autres. Avoir Avant, on avait une comédie. Il y avait une bonne atmosphère. Et c'était une atmosphère chargée de bonheur. Mais je pense que c'est très naturel. Je travaillais, je me rappelle, je travaillais. J'ai étudié la chimie et je travaillais en recherche. Et je travaillais avec une compagnie, Max Factor, et je développais toutes sortes de produits cosmétiques. Et j'habitais dans un centre, et c'était le premier centre à Sydney. Et je travaillais pas très loin du centre. J'étais très neuf au Brahmakumari. Et j'avais de bonnes méditations. Et je comprenais bien les choses. Et j'étais beaucoup dans la félicité. J'étais très heureux dans l'intoxication. Ivresse, en fait. Mais jamais sans y penser, j'étais gentil et doux envers les autres. J'étais respectueux. Il y a quelqu'un qui était là, il faisait le même travail que moi. Mais il se levait tard le matin. Et il allait dans les pubs la veille, il venait travailler. Il n'était pas de bonne humeur nécessairement, il avait bu la veille. Et naturellement, il n'était pas si gentil. Et il était un peu, on dit rough, on le dit même en français, il y avait un gros contraste entre moi et lui. Et on voyait qu'il n'était pas très doux avec les autres. Et les gens pouvaient me voir. Et à ce moment-là, les gens, c'était à la fin des années 70, on fumait au travail, c'était très commun. Et les gens, quand j'étais là, les gens ne sacraient pas, les gens ne fumaient pas de cigarettes. Je n'ai rien, je leur ai rien dit, mais j'ai comme généré où les gens qui sacraient et qui fumaient ne le faisaient pas autour de moi. Il était vraiment très rude comme personnage. Il avait de meilleures qualifications que moi. Et quand la chance est venue pour une promotion, l'opportunité, même si j'avais moins de qualifications, j'arrivais à faire mon travail beaucoup plus rapidement parce qu'en méditation, on n'a pas beaucoup de compétition avec des choses tout ce qui est de pensée perdue. Donc, je voyais clairement et je faisais du travail avec le parfum. Alors, ce sont toutes des choses qu'on doit se rappeler. C'est la mémoire olfactive et on doit être concentré quand on est parfumeur. Alors, je réussissais à finir deux fois plus rapidement que lui et j'étais naturellement respectueux des autres. Donc, j'avais une
une façon harmonisante avec les autres. Et ils étaient très contents que je sois là. Ils avaient de la gratitude pour ma présence. Et ils disaient, oh non, pas encore ce gars-là. Donc, on sentait, parce que c'était une personne un peu enragée, un peu fâchée. Et bien sûr, l'harmonie, c'est quelque chose qu'on fait par rapport à ça. Mais si on augmente, ça peut avoir un reflet chez les autres. Alors, selon ton exemple, ce n'était pas que tu essayais de créer l'harmonie. C'était un résultat des autres valeurs. Alors, c'est pour ça que je demandais avec cette série, les valeurs pour la vie, je pense que c'est parfois une session d'autres seniors sur les catégories des valeurs. Je ne sais pas comment on pourra les mettre en catégories, mais je pense qu'il y a des valeurs qui sont plus proactives. D'autres, c'est un fruit d'une autre. D'autres, c'est ça doit se passer. Il doit y avoir un ordre. Il devrait y avoir une connexion entre les valeurs. Elles ne sont pas toutes égales. Et elles n'arrivent pas à toutes. On ne réussit pas. Tu as parlé du parfum. C'est la combinaison d'éléments chimiques, bien sûr. Et je pense que l'harmonie, c'est dans ce quoi-ci. Tu ne crées pas par choix, mais c'est un résultat. Ton attitude, tes valeurs, et bien sûr, comment tu te sentais toi-même à l'intérieur de toi-même. Si tu fais un effort et que tu fais un effort consciemment, et ça va enlever un peu de ta... On a besoin de savoir plus qu'on est proche de notre façon naturelle. Je vois certaines vertus comme des couleurs secondaires. L'harmonisation des couleurs, quelles sont les couleurs qui se marient les unes aux autres et quelles ne se marient pas? Alors, il y a toutes ces couleurs chaudes. Et si on met un mauve foncé avec les rouges et les jaunes, avec les verts, et tout d'un coup, on a un violet très foncé, ça choque les gens. Et ça rend les choses choquantes. Donc, le fait de mélanger les couleurs, c'est intéressant parce que si on veut faire un vert, par exemple, en faire du bleu et du vert, du bleu et du jaune, pardon, et qu'on fait du violet quand on mélange le bleu et le rouge. Alors, c'est ces couleurs primaires qui sont là au départ, de rouge, jaune, vert et rouge, jaune, vert et bleu. Je pense que c'est comme la paix, l'amour, la paix. Ce sont ces qualités profondes et les vertus sont des couleurs secondaires qu'on seront un mélange de ces qualités. Alors, au lieu d'avoir comment d'avoir de couleurs il y a ou les différentes vertus, surtout rester proche des couleurs primaires et on est pas mal juste dans ce que l'on fait. Il y a un élément intéressant que je travaille depuis un certain temps. Une retraite sur le discernement et prendre des décisions. Et si on pense au discernement, ce n'est pas quelque chose qui nous aide à comprendre la différence entre noir et blanc, bien sûr. C'est pour nous aider à comprendre plutôt les couleurs entre les gris. Combien y a-t-il de différence dans les tons de gris? Alors, de la même manière, dit Ken, si j'essaie d'être tout dans le noir et le blanc, ça ne fonctionnera pas. Je dois discerner les tons de gris. Et c'est ça qui me permet de voir quel est, si je suis dans cet état un peu plus profond et que j'accède aux qualités et couleurs primaires, je vais pouvoir comprendre mieux et faire en sorte que ça va devenir plus naturel
Et s'il y a des efforts conscients, l'attention va nous permettre de le faire. Alors, s'il y a trop d'attention, ça va nous amener. Soyons pratiques et disons, si on pense à un centre de méditation, pas nécessairement un centre de méditation Brahmakumari, et si vous mettez 10 individus, Yot était timide et arrogant, 8 de plus, avec des caractéristiques très intéressantes. On met toutes ces personnes et ils veulent tous devenir des bons yogis, beaucoup d'amour, beaucoup de paix. Et ils ne peuvent pas s'arrêter. Leur personnalité est très... Donc, l'arrogant est très arrogant. Et le timide est encore très timide et désespérément timide. Comment, à quoi ça va ressembler l'harmonie là-dedans? Peut-être qu'on va se chicaner pendant 20 ans ou est-ce qu'il y a d'autres trucs dans tes études? Peut-être une potion magique qui peut être donnée à chacun dans ton kit de chimie. Est-ce que l'harmonie devient subjective? Est-ce que quelque chose illumine les autres? Est-ce qu'il y a une personne qui est plus heureuse qui va dire « Tout est si beau, je sens l'harmonie. » Alors peut-être qu'ils boivent trop de... Ils sentent l'harmonie, mais il n'y a pas d'harmonie. Comment est-ce qu'on peut avoir d'harmonie dans ce groupe, dans un centre de méditation, par exemple? Je pense, j'ai trouvé que s'il y a une méditation collective, les différences de l'attitude des habitudes. Et moi, oui, c'est que Dieu est le centre. Et si je suis là, et que là est là, et que l'autre est ici, et on est tout partout, et que Dieu est au centre, et que moi, je peux venir proche, tout le monde vient proche de Dieu. On est pas mal dans les mêmes vibrations quand on parle de l'apathie. Plus on vient proche de la source, plus tout ce qui n'est pas juste, si j'essaie de faire les choses à ma manière, que mon ego, de quelque façon, que ce soit une timide, dans les deux cas, les deux, l'arrogant comme le timide, a de l'ego. Il y a une belle image. La forêt amazonienne au Brésil, la forêt est tellement grande que toute l'Europe ressent cette forêt. La rivière Amazon, même si elle est très, très loin de la côte, les gros navires peuvent venir. Imaginez comment c'est grand et gros. À la confluence de ces deux rivières, il y a le fleuve Alonso. Il y a Rio Negro et l'autre rivière qui tombe dedans. Et quand ils viennent ensemble, à Manaus, c'est une très grande ville au milieu de la jungle Manaus. Et cette rivière, il y en a une qui est brune. Elle est noire et très, très foncée. Pas parce que c'est noir, mais c'est sombre. C'est très, très clair et on voit le fond, mais c'est sombre. Peut-être qu'en-delà, dans la surface, c'est plus foncé. Donc, c'est vraiment noir. Et quand elles viennent ensemble, ces deux grandes rivières, une brune et une noire, et elles sont absolument... à Manaus, et pendant 25 kilomètres, il coule côte à côte. Il y a une brune et une sombre. Et bien sûr, la brune est plus grande. En fait, c'est comme une couleur jaunâtre.
et l'autre, et la jaune prend la noire et la noire disparaît parce qu'elle se mélange d'une certaine manière. Si j'insiste sur ma façon de faire les choses, et ça, c'est la façon, c'est la façon, et le flot est doré, je dois vraiment me mêler à cela. Et c'est l'idée de se mélanger avec les autres. Une étude qui est l'habilité de se mélanger aux autres. L'habilité de se mélanger aux autres, c'est qu'on doit ne pas trop insister sur nos propres façons de faire et de reconnaître qu'est-ce qui peut, probablement que n'importe quelle façon de mélange, ça va être meilleur que la... Et c'est probablement cela qu'on doit mettre ça en pratique dans nos méditations. Et je dois reconnaître que cette énergie que je dois mélanger à l'énergie des autres. Et je ne dois pas choquer. Et si je dois tout le temps être ma petite rivière noire, je vais avoir beaucoup de problèmes. Quelle a été ton expérience dans cette idée d'harmoniser? Est-ce que ça a toujours été naturel? Est-ce que tu as trouvé que tu as vraiment faire des changements, des changements spécifiques dans qui tu es comme nature? Oui, je pense que c'est un challenge, un défi pour chacun d'entre nous. Et ça nous aide à comprendre que les gens ont des attitudes et très distinctes, très différentes. Si on regarde les cinq éléments, et selon les cinq éléments, il y a des gens qui sont plus en lien avec la terre, qui sont déjà très pratiques. Il y a des gens qui sont plus en lien avec l'eau, qui sont orientés vers les... Ils aiment boire une tasse de thé. Il y a le feu, qui eux autres sont pleins d'idées. Et ils ne peuvent pas être dans des rencontres. Elle doit être maintenant et ça doit être fait immédiatement. Et il y a le type d'air qui sont toujours, ils sont en lien avec le processus. Il y a les gens qui sont liés avec les personnes, le processus, l'harmonie. Et les idées, il y a ceux qui sont en lien avec l'action. Ils essaient de travailler ensemble. Mais si je n'ai pas à de supprimer mes qualités, mais mes qualités peuvent être un problème. Si j'aime le détail, j'aime les processus et que l'autre personne pense est toujours dans la lune et de prendre des tasses de thé, je dois reconnaître quelles sont les préférences des autres. Et je dois porter attention à cela. Et j'aime beaucoup une constance dans l'attention, les caractères chinois. C'est une relation active d'écouter. L'autre, c'est les yeux. Une, c'est les yeux. L'autre, c'est le cœur, le contact du cœur. Et l'autre, c'est une ligne qui se compte. Et l'autre, c'est que l'autre est un roi. Alors, si on met ça tout ensemble, donc portons attention des yeux, le cœur et la ligne et entre nous et le roi. Si je porte attention à cela de cette manière, je mets l'autre comme étant un roi, je peux être attentif à ce que je vois, ce que j'entends, ce que je sens, sinon l'harmonie ne sera jamais là. C'est comme jouer dans un orchestre. On doit toujours porter attention. On doit porter attention à quelles sont ses forces, où est-ce que je peux l'aider dans ses faiblesses, dans ses différences. Ce genre de choses, ce sont des efforts et des effets constants pour moi. Je voudrais retourner à une idée. Peut-être que c'est redondant, mais bien pour faire en sorte que je comprenne pour que je puisse l'utiliser de façon pratique dans ce contexte, quand on est des personnes différentes,
tu réfères à l'analogie musicale, si tu joues dans un orchestre, pas tout le monde veut jouer dans cette, de créer l'harmonie. Et toi, tu dis, on va jouer dans cette clé, mais les autres jouent une autre musique de leur goût, à leur goût. Est-ce que ça va être toujours une expérience personnelle ou est-ce que l'on doit créer une harmonie dans ces circonstances, par exemple? La question, c'est jusqu'à quel point est-ce que je dois focaliser sur moi-même et que mon harmonie va se générer? Je pense que c'est deux. C'est pas subjectif ni objectif. Alors, elle change selon le temps. Alors, il doit y avoir... Je ne peux pas, par exemple, dire Ken, si je ne suis pas en relation avec les autres, c'est même impossible de m'harmoniser avec les autres. Et dans leur relation, c'est la communication que j'ai avec ces gens-là. Si je ne parle à personne et que je n'interagis avec personne, mon harmonisation est un petit peu étrange. C'est d'ailleurs, en fait, quand je parle d'harmoniser, c'est d'abord les relations qui doivent être harmonisées. C'est grandir ensemble d'une certaine manière, dit Ken. Grandir ensemble, ça veut dire je dois me vérifier, mais je dois aussi être en lien avec les autres d'une certaine manière. C'est un effort constant, dit Ken. Si je suis tout seul, je suis en parfaite harmonie avec moi-même. Je n'ai pas à m'harmoniser avec personne. L'harmonie avec le monde, mais je n'interagis pas avec les autres. Mais c'est ridicule un peu. On doit interagir avec les autres. On doit avoir du plaisir avec les autres. On doit avoir besoin de travailler ensemble, se rencontrer, parler ensemble. Communiquer, c'est la clé dans les relations pour faire en sorte de parler et écouter. Alors, je vais être clair, honnête et respectueux, mais je dois être clair et aussi bien écouter et être attentif. Donc, je demande aux gens, est-ce que les gens sont contents quand tu arrives ou quand tu pars? Il peut y avoir une autre, et ils sont complètement indifférents. Ça ne veut pas dire qu'on doit être un genre de saint, mais les gens devraient apprécier votre présence. À être objectif en essayant d'être en harmonie, mais si on n'a pas au courant de notre impact, et les gens, il est enfin parti, mais si tu rentres dans une pièce et que les gens disent, les visages s'illuminent, on peut le voir. On peut le voir. Il y a quelqu'un, je me rappelle quelqu'un, et je le vois, il me disait qu'il avait été parti pendant 3 mois. Il allait dans un restaurant pour luncher. Et quand il est revenu après ces 3 mois, il est allé au restaurant et il a demandé, ah, je suis de retour. Est-ce que quelqu'un qui m'a demandé? Il dit, non, personne n'a demandé. C'est informé de toi. Non, aucun impact. Si on avait un impact un peu plus positif sur le monde serait peut-être un monde un peu meilleur dans lequel on pourrait être. Je pense que beaucoup ont ce genre d'effort. Certains essaient de créer l'harmonie dans la famille, même s'ils ne sont pas des yogis, même s'ils ne sont pas de l'harmonie. Ils ne sont pas spirituels, ils parlent de la spiritualité et du monde physique. Mais on essaie de créer l'harmonie dans le monde, dans les centres de méditation.
il y a plusieurs jours. Souvent, les problèmes dans les... On a besoin de plus d'unité. Comme si on essayait de forcer l'unité. Et j'entends moins d'unité. Et j'entends moins ce besoin d'être unis. Parce que le résultat d'après plusieurs années, pour les centres de méditation, ça, parce qu'on fait autre chose. Pour certaines familles, c'est difficile de créer l'harmonie ou l'unité dans la famille. Est-ce que c'est parfois une question en chimie, par exemple, on a besoin de certaines quantités pour que ce soit dominant suffisamment pour impacter la solution complète? Est-ce que et c'est sur un groupe de 10 personnes, 2 sont vraiment têtus et ne veulent rien savoir? Si 4 ou 5 génèrent quelque chose, ça pourrait avoir un impact sur le reste du groupe. Est-ce que tu penses que quelque chose comme ça pourrait fonctionner de cette manière? Oui, peut-être, mais le problème, c'est que c'est quoi le standard? Quel est ce standard que tu veux créer? Quel est cet équilibre de l'unité? L'unité, ce n'est pas du tout harmoniser. Une unité, ce n'est pas du tout cela que ça veut dire. Ça veut dire de permettre la diversité et de partager des éléments communs, par exemple. Si le groupe peut dire au moins faire cela, au moins cela, il y aura l'unité. Par exemple, on a la même source, le Père, qui est l'âme suprême. On a la même connaissance, les mêmes idées, qu'on veut devenir pur dans notre façon de penser, dans nos paroles et dans nos actions. On a donc on a les mêmes éthiques, les mêmes... en fait, on veut servir les autres. C'est aussi notre dharma, la dharma de tous, notre façon d'être. C'est notre, comme on dit, l'ADN. Mais on a beaucoup de choses en commun et ça, c'est l'unité. Et si on peut reconnaître et célébrer ce que nous avons en commun, en même temps, permettre aux différences et la diversité des idées, des façons de faire et des préférences ou des façons de faire. Et quand quelqu'un arrive, voici ce qu'est l'humilité, voici c'est ce qu'on va faire, ça ne fonctionnera pas. Je travaillais il y a plusieurs années. Il y avait au nord du Brésil, il revenait du Japon. Il disait le feu des qualités. C'était les qualités. Alors, c'était une façon d'être tout dans la plus grande qualité. Il revient du Japon. Il veut que tout soit fait, que tout suit les 5, la façon d'organiser les choses. Non, je pense qu'il parle du feng shui. Il voulait que tout soit organisé comme cela. Mais ces critères qu'il avait appris au Japon. Bien sûr, il travaille avec des Brésiliens. Non, c'est une autre culture. Ils ne font pas cela. Ils font les choses différemment. Ils sont beaucoup plus... Ils sont moins disciplinés. On ne peut pas utiliser cette discipline du Japon, japonais. C'est toujours s'asseoir dans l'ordre et d'organisation de cette manière-là. Il créait des problèmes. Il m'a demandé de venir. Il voulait savoir qu'est-ce que c'était le problème et j'ai dû lui dire que le problème, c'était lui. Il y avait un problème. Oups! Alors, il essayait de créer une façon différente dans une culture complètement différente. Et ça ne fonctionnerait jamais. On doit absolument respecter la façon dont les gens font les choses et faire le mieux de ce que vous avez en commun. C'est faire le mieux de ce que vous avez en commun. C'est ce qu'il y a de mieux. Et pour la diversification, il nous reste plus que quelques instants. Alors, on doit peut-être entendre quelques questions.
peut-être un mot dont on n'a pas encore parlé dans mon expérience, et je peux peut-être être le mot amour. On n'a pas utilisé ce mot, mais je serais curieux de savoir que je travaille beaucoup sur l'amour depuis longtemps. When I was trying to understand et une de mes propres réalisations, avoir de meilleurs sentiments pour les autres, pas nécessairement l'harmonie, mais plus être un géant qui aime, on dit. Et je suis arrivée à cette pensée que l'élément le plus dommageable de mon ego, c'est ce que j'appelle l'égoïsme. Et il y avait beaucoup d'égoïsme en voulant être toutes sortes de façons subtiles d'égoïsme. Alors, c'est mon égoïsme qui m'empêche d'aimer les autres correctement parce que j'attends quelque chose et s'ils ne me rendent pas heureux, je ne les aime pas. Et s'ils ne me font pas sentir bien, je ne les aime pas autant. Alors, je joue avec cette notion. Est-ce que je peux enlever l'égoïsme? Bien sûr, en français, c'est égoïsme et égo, c'est très, très... Même que « c'est exagérer l'ego. Alors, ma liberté, c'est l'amour. Alors, mon désir des autres, c'est mon égoïsme, c'est le désir des autres. Et ça pourrait changer ma relation avec les autres. Est-ce que tu as quelque chose à me dire à ce sujet? Comment je peux enlever cet égoïsme? C'est vrai, j'ai déjà dit que la fondation, c'est l'harmonie, c'est l'amour. On n'a pas exploré, mais c'est vrai. L'harmonie, c'est l'amour. Et une autre fondation de l'harmonie est le contentement. Donc, si je suis plus content avec moi-même et moins de jugement par rapport à qui je suis et pouvoir reconnaître ce que je peux partager avec les autres, ce qui est bien à partager, qui est bien, quelque chose que j'ai à partager qui est moins bien, je peux peut-être régler ou calmer l'intérieur. Et quand je vais vers le contentement à l'intérieur de moi-même, je pense que ça m'aide vraiment parce que l'ego, c'est un genre d'égoïsme et c'est une façon vraiment fausse d'être heureux. C'est vraiment une fausse façon d'être content avec soi-même. Ça, c'est l'ego. C'est une fausse façon d'être heureux avec le soi. Une fausse façon d'être heureux, content avec soi-même. Je permets certaines... C'est ça. Alors, je me cache de certaines faiblesses. Le contentement, c'est en lien avec le contenu. Si on n'a pas de contenu, on doit avoir absolument le bon contenu en soi pour être contenté. Alors, on ne doit pas cacher on doit être attentif de ne pas les partager avec les autres. Et les partager avec les autres, c'est la base de l'humilité. Quand on est égoïste, on ne partage pas on laisse tout sortir. C'est ça l'égoïsme. Alors, si on est en train d'y travailler, et la façon, la qualité naturelle de l'âme, c'est l'amour. Ça, c'est la qualité naturelle. Et comme l'harmonie de la communication d'une certaine manière, si on met l'amour, des sentiments d'amour avec les autres, tout va aller mieux. Si on aime les autres, l'ego, c'est aimer les autres pour qu'ils nous aiment en retour. Si j'aime l'ego, c'est pas vraiment de l'amour.
je n'essaie pas de les impressionner. Si ça vient d'une position d'insécurité, l'ego est garanti si on est insécure par rapport à cela. C'est comme si on est insécure, c'est une défense, en fait, l'insécurité. Si j'essaie d'aimer naturellement, quand je me rappelle de Dieu, je me rappelle comment il m'aime et comment il aime les autres. Donc, comment puis je dois m'aimer moi-même et aimer les autres comme il aime les autres? Et ça, je dois réussir à être en harmonie avec cela. Et je deviens un collaborateur à cette façon de travailler. Matoj, j'ai entendu 19 mots. Quand est-ce que tu écris 19? Ça va être le 20e parce que Manoj a dit 19, je pense. Oui, OK. Qu'est-ce que tu as dit? Le dernier, le titre. Alors, éviter les fausses façons d'être heureux avec toi-même. Si on retourne à notre paix, l'amour et le bonheur, même un esprit vrai, le cœur vrai, et qu'on fait cela, on fait le bon chemin. On prend le bon chemin pour que ces éléments apparaissent naturellement. Bien sûr, je vais être un impact positif avec les gens avec qui je suis en relation. Alors, je n'ai pas besoin d'y penser. Alors, aider les autres, ce n'est pas une question de popularité. Alors, ce n'est pas un concours de popularité. Oui, on ne doit pas voir ça comme un concours de popularité. Beaucoup de mantras magiques de cette façon de faire. Et Dr. Manoj, est-ce qu'on peut avoir des questions? Alors, un esprit vrai. Alors, des pensées. Et ça fait 5. Et amour. Alors, voici maintenant les questions. On apprend tellement les uns des autres. Quand l'apprentissage ouvre les portes, c'est tellement extraordinaire. Et je suis très excitée par tout cela parce que cela a ouvert des portes pour mon apprentissage. Merci à vous deux. Et c'est extraordinaire comment on a développé Deepak Chopra. OK. L'harmonie n'est pas quelque chose à créer. Cela existe à l'intérieur. Parce que c'est la paix, l'amour, le bonheur, la vérité et la pureté. Et un autre élément de l'harmonie, peut-être que Brother Eric pourrait comprendre. Tu as posé beaucoup de questions, donc tu devrais répondre maintenant. Bon. Alors, Mahatma Gandhi, au sujet de la paix, ce que tu dis, ce que tu penses, les trois, ce que tu fais sont en... Quand mes pensées, mes paroles et mes actions sont en harmonie. Pensée, parole, exaction. Je suis très d'accord dans la façon parce que je ne veux pas faire de paraphrase de Ken, donc je vais laisser Ken Ras. Ah, OK, tu m'envoies la... Tu l'as dit vraiment très bien. OK. L'idée, il y a quelque chose derrière les pensées, paroles et les actions, quelque chose qui est derrière ça.
Et on sent que c'est la véritable conscience. Tout cela arrive, mais c'est parce qu'il y a la façon dont je pense, j'écoute, et c'est la véritable conscience, ce que je pense être à ce moment-là. Donc, la conscience, c'est ce que je pense que je suis, donc l'âme. Alors, il y a deux catégories, la conscience d'âme et l'autre conscience qui est le corps. Et si je pense que je suis, alors, si je dis, souvent ça veut dire « je suis un homme », »,« je suis un homme qui est laid », »,« je suis le boss », »,« le patron », »,« je suis ton frère », c'est la première identité. Je suis un serviteur du monde. Et ça me permet de savoir qui je suis. Et c'est cela qui va conditionner ce que je vais penser, penser, dire et faire. Et comme être en synchronisation, alors, si j'ai la bonne conscience, si j'ai la bonne conscience de qui je suis, et c'est avec cela que l'on joue en méditation, si on se regarde à n'importe quel moment, il y a je suis quelque chose, à un moment ou à un autre durant la journée. Même quand je dis je suis en retard, tout cela va permettre les pensées, les paroles et les actions de. Si je dis « je suis trop tôt », il va y avoir des pensées, des paroles et des actions qui vont être en lien avec cela. Et si j'y pense, ce que je comprends être derrière tout cela, c'est ce que je dois savoir, qu'est-ce qui est derrière ça. Ça va? Ça a du bon sens? Je pense que j'aime ta façon. C'était une façon de lui passer le saut. J'aime écouter Ken parce que pour écrire 18-19 livres, certainement, j'aime bien réfléchir, j'aime bien écrire pour moi, j'ai un journal, mais j'aime ce processus, et ces jours-ci, je suis plus humble dans ma connaissance et je questionne certaines formules et je me demande, je peux dire quelque chose de bien avec mes pensées, mes paroles et mes actions sont en harmonie. Et parfois, je me parle à moi-même, de quoi tu parles? Eric, c'était quand la dernière fois que tes pensées, tes paroles étaient en action? Et pourquoi tu y penses? Ce n'est pas que je veux douter de quoi que ce soit, mais je veux travailler sur être vrai. Concepts. It comes from, you know, deeper experiences. Et quand je partage des concepts, je veux que ça vienne de plus profondément. Je sais quand tu es venu chez moi, je me rappelle de notre conversation dans ma cuisine ici. Et ce que j'ai aimé, c'est que tu m'as dit, c'est que toujours, juste être vrai dans ta façon de comprendre. Arrête de faire des belles idées. Ne dis pas Chopra quote. Sont beaucoup, beaucoup plus poétiques. Je ne sais pas ce qu'elles veulent dire des fois. OK, là, je vais aller. OK, alors, il fait une blague avec un poulet. Manger le poulet à l'intérieur, on va attendre. Alors, parfois, on se perd dans des formules, dit-il. Alors, pour moi, le bonheur, l'harmonie, ce sont des belles idées, des valeurs que j'explore, mais je suis vraiment sur le chemin et je ne veux pas être faussement humble, mais quand tu peux présenter les choses, tu les rends vraies. Et qu'est-ce que je fais? Et je sais que nous avons de véritables questions, donc je vais attendre. Qu'est-ce qu'on fait avec une personne arrogante au point d'être abusive?
On essaie de comment on harmonise avec mais la véritable situation, c'est que ce qui se passe, c'est tous les jours, jour après jour, on a notre routine et j'essaie d'être attentif. Demain, je vais dans le sud du pays. C'est un endroit où il y a des mouches en ce moment, des moustiques. Et je ne vais pas penser à ça aujourd'hui. J'y penserai que je serai peut-être sur l'avion, peut-être. Oui, peut-être que. On est entouré par des choses vraies, des vraies personnes, des vraies choses. Donc, soyons attentifs à ce qui est là en ce moment. Pas faire de spéculation ou d'anticipation. Je fais tourner ma journée. Je ne pense pas. Je ne regarde pas partout parce que je suis dans un état d'esprit beaucoup plus simple que ça. C'est pas que je fais zoom tout le temps, mais les choses sont simples et je veux les garder simples. Tout le monde a un rôle à jouer. Je me concentre à jouer mon rôle le meilleur. Les gens ne seront pas différents. Les gens seront différents. Pourquoi? Ce n'est pas un péché d'être différent. Alors, chacun doit être au mieux de ce qu'il est et je serai le mieux que je peux être. D'une façon très pratique, que la question a été posée directement. Comment créer l'harmonie qui est jusqu'à temps dans une relation? On est pris avec cette personne, et on est au-delà et on sent l'harmonie à l'intérieur. Est-ce qu'il y a d'autres façons? Pour certaines personnes, la seule chose, c'est d'avoir des bons souhaits. Il n'y a pas d'autres possibilités. Mais pas juste des bons souhaits, de la miséricorde. Alors, on fait cela. Ils vont avoir à le payer à un moment donné, de toute façon, et la souffrance sera très grande. Donc, je suis pour la miséricorde pour la fin de cette personne. Je ne prends pas ce genre de choses personnellement. Ils sont ce qu'ils sont, ce qu'ils peuvent être, ce qu'ils sont capables de faire, c'est ce qu'ils sont, c'est ce qu'ils sont capables de faire. Je ne peux pas les juger, je ne peux pas les punir. Si je le prends pour moi, je vais en faire partie. Je vais en faire partie si je le prends pour moi. Si je ne le prends pas et que je fais simplement le voir et d'être miséricordieux, ne pas essayer d'atténuer ce qui va se passer de ce qu'ils font. C'est tout ce que je peux faire, atténuer en envoyant des bons souhaits. Et quelqu'un que je suis en contact régulier, j'essaie d'aider cette personne pour qu'elle voit ses qualités. Je n'essaie pas j'essaie de leur permettre d'être qui ils sont. C'est tout. J'essaie pas de leur montrer ce qu'ils devraient faire, par exemple. Un autre concept et une autre question qui est en lien avec cela. Et Brother Ken nous a ramené de l'inondation. Alors, comment est-ce qu'on peut changer est-ce qu'on peut vivre en harmonie avec le monde extérieur? Comment est-ce que tu changes je pense pas.
D'abord, on doit reconnaître que la vie, alors il demande comment on va changer le... Non, ça veut pas dire qu'on est... Parce qu'on est spirituel, ça veut pas dire qu'on aide le climat. Je vais dans le sud parce qu'ils célèbrent les 40 ans. Demain, mon... Alors, juste aller demain, mon empreinte carbone va être très grande. Allez là. Mais je vais aller dans quand même parce que ils doivent avoir... Je vais réussir. Je vais avoir une grande empreinte. Mais je vais aussi parler à 500 personnes à qui je peux mentionner que tout le monde a besoin d'être plus rationnel dans leur façon d'utiliser des ressources. Alors, c'est sûr qu'on crée, il y a un problème créé d'un côté, c'est-à-dire mon empreinte carbone est très grande, mais en même temps, je vais parler avec ces gens pour leur parler de comment on peut rendre la situation plus... C'est magnifique ici, c'est des montagnes et tout est parfait. Et je quitte cet endroit. Et alors, tout est magnifique ici, à cet endroit. C'est là où je suis, c'est magnifique. Mais je sais que la nature a besoin. Et la nature fait juste me rappeler la paix que je n'ai pas. Alors, on parle de la nature intérieure et la nature extérieure. Quand on voit la nature et qu'elle en est dans son état naturel, c'est comme ça que je veux vivre et c'est ma contribution à moi. La nature est généreuse. Le soleil ne charge pas pour sa lumière. L'eau vient du ciel et on n'utilise pas pour l'eau, pour l'air, pour quoi que ce soit, pour la lumière non plus. La nature est généreuse. Et si je suis généreux, je suis aussi naturel que la nature. Donc, je dois être généreux avec les personnes. Je dois donner ce que je peux donner. Si je connais quelque chose, je dois le partager. Si je peux aider les gens à mieux comprendre, donc avoir une nature généreuse, ça m'amène à être en contact avec la nature naturelle et avec... Si on retient puis qu'on ne veut pas donner quoi que ce soit aux autres et qu'on écrase d'une certaine manière l'environnement plutôt que de s'ouvrir, et ça crée toutes sortes de problèmes. Et la pollution avec l'âme et la pollution à l'extérieur, il y a un lien entre la pollution de Bindu, l'âme et la propreté à l'extérieur. Donc, je dois être généreux et propre parce que la nature est, sa nature doit être propre et généreuse. Quelqu'un, il parle de l'agitation, alors d'un gros chaos. Je ne peux pas arriver à avoir l'équilibre. Alors, l'équilibre, la balance, être bien équilibré. Comment est-ce qu'on peut faire le lien entre les deux? Je peux partager quelque chose et peux le compléter. Ma vie professionnelle et ma vie spirituelle ont toujours fait comme tressé. C'était toujours ensemble et je sens toujours qu'il y a le miroir de l'autre. Quand j'ai eu des moments très importants dans ma vie spirituelle, cela correspondait toujours à quelque chose qui arrivait dans ma vie professionnelle. Alors, pendant longtemps, c'est comme si j'avais deux vies et que j'essayais d'harmoniser les deux. Et un jour, Daddy Chanky m'a dit,
at work should be the same as your consciousness as the center. Et ta conscience à la maison devrait être, au centre devrait être le même que ta conscience. Comme si tu étais, comment tu sens une expérience, tu devrais avoir cette expérience aussi dans ton monde de travail, de ton monde du travail. On utilise le mot, alors on utilise le public et je voulais lier les deux. Je ne suis pas le kick ou le kick, je suis juste chanceux et je dois dire que tout est correct. Dans ma vie spirituelle, alors sa vie alokique, je sers et j'aide, je fais le service de Dieu. Et j'ai décidé la même chose quand je vais travailler, je ne vais pas travailler, je vais servir. Et c'est une illusion, je sers. Et si je sépare les deux, le professionnel et la vie professionnelle, c'est à ce moment-là que ça devient un conflit. Et si je comprends qu'on fait la même vie, c'est-à-dire ma vie alokique, et c'est devenu très facile, et ça a changé complètement ma perspective. Alors, quand j'étais dans une rencontre au travail, je pensais, c'est comme être dans une rencontre. Mon intention, mon attitude, mes sentiments devraient être les mêmes. Et cela m'a aidé beaucoup depuis les 15 dernières années de ma vie, de ma carrière professionnelle. OK. So I think, sorry, brother, Ken, you wanted to say something? No, I think I just agree 100% with Eric. Je suis d'accord avec. On a juste une vie. On n'a pas deux, trois vies. On en a seulement une. Alors, c'est ce qu'il a dit tout à l'heure aussi. Il y a différents instants de la même vie. Manoj, mais c'est mieux d'envoyer la question. Mais une qui pourrait être, ouais, ça a été donné depuis le début. Comment tu pourrais décrire l'harmonie et comment ça affecte nos émotions? Est-ce que c'est compatible, la compatibilité, la paix intérieure? Mais je pense qu'on en a parlé beaucoup avec d'autres questions. Mais ça a été très bien. C'est la conversation qu'on a eue depuis le début. Yeah, so I have just one more question. In the interest of time, I would want you all to answer briefly. I'll take two questions. The first question. Alors, il a deux questions. La première question, elle est biquée, les Brahma Kumari. Il y a un concept qu'ils ne peuvent pas digérer, l'âge d'or. Il y a beaucoup d'harmonie dans les sanskars, tous ceux qui sont là, les déités. Est-ce que c'est possible ou est-ce que c'est l'âge d'or? Est-ce que c'est ça la question? Alors, c'est ça la question. Est-ce que ça existe ou c'est quelque chose qui est dans la tête? Quand on parle de cela, parfois, c'est la fantaisie. Mais si on regarde le monde dans lequel on est, si on peut imaginer que le jour et la nuit, c'est l'opposé. La nuit, il n'y a pas de lumière et le jour est super lumineux. On ne voit que des... Et tout d'un coup, le soleil se lève, mais on ne se rappelle plus que c'est que la nuit était là parce que le soleil illumine tout et que tout devient brillant, illuminé, étincelant. C'est très difficile quand on vit dans une vie de noirceur de croire à la lumière. Mais le déni a autant de possibilités que... Alors, si on peut imaginer l'opposé complet du monde actuel, c'est que les gens veulent que ces choses... veulent l'amour, la paix et le bonheur. Ils le veulent, qu'ils le veulent vraiment. Imaginez
qu'il n'y a aucune inquiétude, aucune tension, aucune confusion, aucun conflit. Ce monde a autant de possibilités d'exister qu'une maison, un monde de noirceur. Et quand on est dans un monde de noirceur, on ne peut pas imaginer comment le monde peut être brillant. Et quand on est dans un monde brillant, on peut peut-être même juste pas penser au monde de noirceur. Donc, juste faire l'opposé de ce que vous sentez, ça peut être suffisant. Alors, parfois, si on allait juste 200 ans plus tôt et dire aux autres, dans 200 ans, c'est comme cela que nous allons vivre. Y a-t-il quelque chose? C'est pas possible. C'est ça. On n'a pas nécessairement besoin de penser comme étant quelque chose qu'on ne peut pas comprendre nécessairement avec les éléments en ce moment avec notre intellect. En fait, certainement que ça prend un intellect divin. Alors, Manoj, Ken va faire, bien sûr, une expérience de méditation. Alors, on va avoir une méditation, un commentaire. Alors, il va. Alors, une dernière question. La question est la suivante. Je ne peux pas accepter tels qu'ils sont. Est-ce que ça veut dire que je ne pourrai jamais développer l'harmonie avec eux? Accepte les autres. On doit d'abord s'accepter soi-même. Si tu es en mesure de t'accepter avec tous tes bons points et tes mauvais points, si on peut s'accepter, on devrait être en mesure d'accepter les autres. Parce que l'habileté d'accepter les autres, c'est d'être capable de s'accepter soi-même. Ça veut dire reconnaître et être humble de ce que je ne peux pas faire et être heureux de ce que je suis capable de faire. Si vous faites ça, vous êtes capable de le faire. S'accepter soi, c'est accepter les autres. Alors, Ashok Mehta et Claudia qui va vous remercier. Om Shanti Ken Bhai. Om Shanti Ken Bhai. Om Shanti Eric Bhai. Dieu avait nous montré un exemple d'harmonie. Vous parlez tous les deux l'un à l'autre d'une façon très harmonieuse. Vous nous avez donné un bel exemple d'harmonie et vous pourriez interagir avec n'importe qui. Un élément que j'ai toujours, Dali Prakash Mani disait, l'harmonie. Harmonie, accepter notre défi. Donner aux autres hommes de se sentir heureux qu'il est vrai, qu'il a raison. Et d'une façon très normale, et la dernière chose est d'accepter. Je dois m'accepter moi-même. Et je dois accepter les autres tels qu'ils sont. Et l'acceptation est une clé. Vous deux, vous avez un vocabulaire extraordinaire. Je suis combien vous pouvez parler sur harmonie d'une façon si belle. Félicitations. C'est une des belles conversations que j'ai entendues. Dans les dernières 75 conversations. C'est merci d'avoir amené deux personnes. Merci à Ashok Bhai. C'est bien de te voir. Last 75 episodes.
without harmony, right? Comment on peut faire 75 rencontres comme cela sans harmonie? Om Shanti, c'est Claudia qui parle. Et d'avoir cette rencontre de jubilé en harmonie, comme Ken a dit, nous avons besoin de la diversité. Et je dis toujours, nous avons la diversité dans notre propre, dans notre famille, il y a 4 enfants. Nous sommes tous différents. Quand nous travaillons tous ici à Vancouver, ils parlent toujours de diversité. Et il y a toujours des gens qui viennent avec des backgrounds différents, surtout à Vancouver, parce que c'est cosmopolite. Donc, on ne peut pas, quand Baba a parlé de l'idée de la diversité, parce qu'avec la famille, c'est très important, parce qu'on peut être harmonieux même dans notre famille. Et plus on accepte, plus ça sera facile. Merci beaucoup à vous deux. C'était magnifique. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous tous. Non, il ne veut pas comparer, mais ça a été très bien aujourd'hui. Alors, on va prendre la photo si, ça vous, si vous le désirez. Vous avez juste à laisser votre caméra allumée. On est très on a beaucoup de gratitude pour cette rencontre très. Et on parlera ensemble. Où est-ce qu'on peut avoir cette rencontre? Et c'est très important. Et encore la semaine prochaine, samedi 7 octobre, où ce sera deux belles âmes yogis, Sister Moira et Sister Anjani, qui est de New York. Et la première heure qui sera des expériences exercices. Et la semaine du 14 octobre, c'est sur la victoire, Vijay. Alors, ce sera Sister Gayatri de New York et Gopi qui va être du Royaume-Uni. Donc, après l'harmonie, on va discuter de la victoire à la même heure. Donc, à 10h30 sur la côte ouest. La côte est et 17h30 la côte ouest. Alors, les deux derniers, alors le 28 octobre, ce sera le 3e anniversaire, Micheline. Alors, il y aura une fête ce jour-là, donc le 4e anniversaire. Et aussi, si vous voulez recevoir les vidéos, tout cela, je vous demande de prendre les adresses. Alors, vous pouvez recevoir les rencontres dans toutes les langues et en anglais. Et si vous voulez avoir d'autres langues, vous n'avez qu'à demander un autre langage, une autre langue, et vous allez pouvoir recevoir le. Alors, c'est le temps de prendre une photo, donc si vous voulez ouvrir votre caméra. Et ensuite, on sera en mode méditatif. Tout le monde est prêt? We make this moment memorable with Brother Ken, Brother Eric. Thank you. Thank you, everyone. Merci à chacun. Et maintenant, on va faire la méditation. Le silence, ça va? Le silence, ça va bien. La première chose que nous devons tous faire, c'est être dans le moment présent.
Chaitanya, comme cette éternité dans chaque instant. Il y a beaucoup de choses qui se passent autour de nous. Beaucoup de choses se sont passées avant ce moment et beaucoup de choses se passeront après ce moment. Mais en ce moment, je suis dans le moment présent. Moi, l'âme. Et je donne la vie à ce corps. Et je donne vie à toutes les activités que j'accomplis à travers ce corps. Donc, je reprends le contrôle. Je suis cet être spirituel. Et je suis consciente de mes qualités originelles de l'âme. Je suis paisible, je ne cours pas tout partout, je suis en paix. Je ne veux rien du tout, je suis dans le contentement. Je suis en harmonie avec le monde autour de moi en ce moment. Je suis tout simplement comme un phare, un tout petit phare. Je suis à l'affût du monde autour de moi, mais je suis aussi en relation avec l'âme suprême, Shiva, Allah, Dieu. Et c'est comme un soleil subtil, spirituel. Et mon esprit s'ouvre pour recevoir la paix, l'amour, la félicité. Et je reçois ces courants, ces rayons. Et je les retransmets au monde autour de moi. Je ne pense pas trop, je sens ces choses. C'est comme si j'avais arrêté le temps. Très paisible, tellement aimant, tellement contenté. Alors, on reste quelques instants encore dans cet état. Et heureux de savoir que vous pouvez revenir à cet état d'être quand vous le voudrez. Now we just open up our eyes a bit more and come back. On ouvre les yeux et on revient dans notre vue, là où on est. Et vous remercie d'avoir donné ce temps et d'avoir participé avec nous. Shanti. So thank you so much once again for making this platinum episode so special. Both of you. Merci d'avoir fait en sorte que cette d'avoir fait en sorte que tout ceci